Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de cette nouvelle vidéo, plutôt cette nouvelle vidéo information, je vais y arriver chers amis, c'est la troisième fois que je la tourne, je me suis pas satisfait de ce que je dis, donc ça tombe bien, ça part une partie, ça me permet de pouvoir tester sur le jeu sur la tour. On a un ping de 18 ms qui est pas mal. IPS on n'est pas constamment à 60, on a 112 degrés niveau température donc c'est pas mal. 73 degrés, faudrait pas que ça monte trop haut. Bon, on est toujours en fait, on est pratiquement en constante à 60. On est en attaque sur Nubani, donc ça va être violent. Puis c'est une équipe qui est déjà. D'accord, ok, qui est déjà bien commencé, mais qui va être sur le point d'être finie. J'imagine que la partie est en cours de fin, entre guillemets. Ah non, c'est formation de l'équipe, donc non, c'est parfait. Bon, bah écoutez, on a ce qu'il faut. Donc, cette vidéo information va vous parler principalement de ce qui va se passer aujourd'hui, puisqu'apparemment, je n'aurai pas le droit de toucher à Lego Star Wars et à. The Technomancer avant 18h ce soir. Ce qui fait que je vais pas avoir le temps de tourner, de monter et d'uploader dans la journée, hein, ça c'est clair. Du coup je pensais vous tourner une vidéo d'Overwatch et parler de trois petites choses tout de suite. Par rapport à Crossout. Crossout qu'en fait à l'heure actuelle pour moi dans mes tournages devient extrêmement compliqué à jouer, puisqu'en fait les joueurs restant sur la bêta fermée sont des joueurs qui ont des armes légendaires à foison. Et du coup en fait je me fais trishot à tout péter, hein. Je me fais two shot voire one shot parfois sur certains véhicules que je fais. J'ai beau avoir fait un tank, enfin un vaisseau un peu plus normalement plus tanky, vous verrez que je me fais défoncer à vitesse grand V. Mes copains sont pas par là. Ok. Voilà. Et donc du coup je pensais vous faire un jour sur deux du Overwatch et puis enfin finaliser les crossouts là-dessus. Et donc continuer avec que du Overwatch. Hop. Hop les. Parfait, mon équipe avance. On progresse. Oh, t'as du bol toi l'ami. Hop. Tu nous as progressé. Là mon bouclier prend tellement cher. On va attendre qu'il recharge. Donc voilà. Donc potentiellement remplacé en fin de. Entre guillemets en fin de vie. Ah la vache, il me défonce Bastion. Bastion. Attends que mon bouclier remonte à nouveau. Hop. Et maintenant, j'ai toute votre attention. Les héros, ils ne meurent jamais. Ah, on s'est fait défoncer. Ah bah il était en mode méca, d'accord. Ok. Bon, donc voilà, remplacé finalement Crossout par Overwatch, qui est un jeu qui me plaît beaucoup en ce moment, hein, je m'éclate vraiment dessus. J'espère que vous m'entendez bien au niveau de la voix, hein, j'ai des doutes. J'ai remonté un petit peu le son, mais je vais peut-être le baisser un poil. À 40, voilà. Hop. Je suis sur l'objectif. Et du coup, vous pourriez profiter complètement de ce jeu Je capture l'objectif. Et de mes games dessus, de mes rages dessus. Vous voyez par exemple là je suis pas sur le point, c'est catastrophique. On l'a eu. Ah, mais maman. Ah oui, mon roi je viens de l'utiliser pour rejoindre le point. Ok, on l'a eu. Des copains avec lui, par contre j'ai besoin de soins. Ah oui, j'ai pas mes points. C'est sur la touche quoi déjà, alors du coup, je sais pas. J'ai pas mes. Faut que je remette, parce qu'en fait je joue sur PC portable depuis quelques temps en fait. À ce jeu, ça me permet d'être tranquille un petit peu quand je vais ailleurs tourner, enfin jouer tranquillement dans mon coin ou par exemple jouer pendant un montage. Donc voilà, voilà pour cette vidéo information qui sera en fait une vidéo autant une vidéo classique qu'une vidéo information finalement. Hop, bah du coup je vais penser faire une vidéo information et une vidéo classique mais je vais faire comme ça en fait. Donc voilà, voilà pour cette vidéo en fait qui ne sera pas qu'une vidéo information. Ce sera aussi une vidéo Ah, je peux éviter d'être poussé par le truc ici. Ah, ce bastion du carnage. Attention.
Mauvais. Ah, foutu, foutu mobilette. Voilà, bon. Bon, 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 écoutez, au moins on escorte le convoi. Je me sens pas utile parce que je parle beaucoup, du coup. J'ai déjà pu faire l'expérience du... D'ailleurs, je devrais spammer mon ulti quand même, elle va sortir à un moment ou à un autre. J'aurais dû la faire, la sortir à un moment où j'avais tout le monde devant moi comme ça. Même si ça aurait pas changé grand-chose, ça aurait peut-être permis à mon groupe de survivre. Niveau synergie, on n'est pas trop trop mal. Ils ont combien de... Ah, j'ai pas le temps de la sortir. Ils ont combien de bastions? Oh là 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 là. Alors pour ceux qui ne savent pas, alors c'est un hero shooter de base. Alors je vais expliquer quand même un petit peu le jeu. Un hero shooter en multijoueur compétitif, c'est-à-dire qu'en fait on a deux équipes avec un objectif. Donc il se veut compétitif maintenant. Hein. Chacun des héros a une classe, que ce soit tank, défensif. Alors tank et défensif, on reviendra dessus plus tard. Attaquant ou soutien. Tank et défensif, tank encaisse des dégâts, défensif tient une zone. Putain. Mais non, mais il y a trop de bastions dans le coin là. Ah merde, il y a l'autre trou du cul qui est derrière nous. Ah, il me sort son ulti. Donc voilà, donc défensif donc permet de tenir une zone. Et attaquant bah, attaque le point et soutient les autres joueurs, que ce soit par du heal ou par d'autres actions. Voilà, donc l'objectif de cette map est de capturer le convoi ici. Donc on a capturé le spot. Une fois qu'on a capturé le convoi, entre guillemets, si je puis dire, atteint le convoi et sécurisé la zone, on doit l'escorter jusqu'à un point B, d'un point A à un point A, enfin d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C, pour le coup, que vous pouvez voir, donc le, voilà, on dirige vers le point C à l'heure actuelle. Ces fichus bastions me saoulent. Je vais aller lui parler un peu parce que ça me saoule, cette histoire de bastion. Alors bastion qui est un... Hop. On va attendre. Voilà. Passe et rapace. Je déplace le convoi. Joignez-vous à moi. Boum. Voilà. Je préfère ça. Crac, on grimpe sur le convoi et on avance. Et là on a atteint le point C. Plus on est proche du convoi, plus on avance vite. Voilà. Voilà. Voilà voilà. Bon. Mais tu peux me péter la gueule autant que tu veux, mais on a gagné quand même. On n'a rien à cirer. Voilà voilà, donc voilà la synergie d'équipe en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe qui soit bien coordonnée avec une certaine quantité de healers, de support, de tanks, de défensifs, d'attaquants, une bonne phase suivant la map et suivant bien sûr tout ça, avec chacun, donc chacun des personnages, donc une certaine quantité de points de vie, une certaine compétence, donc, et donc une certaine compétence ultime, vous pouvez voir en bas à droite si c'était utilisé avec A. Voilà. Et donc voilà, des récompenses données, entre guillemets, enfin, un choix qu'on peut donner au meilleur joueur selon nous. Et on a vu la caméra highlight l'action de la partie entre guillemets qui a été faite. Donc une certaine quantité d'XP gagnée, des médailles récupérées suivant votre qualité entre guillemets sur la partie, ou en tout cas vos moyennes à vous, si vous vous améliorez ou pas. Voilà, si c'était une bonne partie par rapport à ce que vous faites habituellement ou autre. Voilà comment que je pourrais l'expliquer. Bienvenue. Et donc là forcément on a une autre map. Hop, voilà. Et nous sommes cette fois-ci en défense. C'est pas plus mal. Du coup en défense, qu'est-ce qu'on prend? On a quoi? On a un chacal. Moi j'ai bien envie de changer un petit peu, de prendre. On a un Hanzo déjà. Bon, je peux reprendre un. Oh, il y a déjà un bastion. Je vais prendre sur le principe, je vais prendre une Mei parce que j'aime bien la jouer. Cependant, j'aimerais modifier quelque chose ici. Crac. Au niveau des commandes. Notre monde vaut la peine qu'on se batte. Donc ça c'est bon. Château d'eau appuyé pour parler 4. Menu de communication 5. D'accord, ok. Prendre des vêtements légers.
Faut que je trouve le bouton maintenant. Ok, ça met dans l'ambiance. Ah voilà, je l'ai. Salut les amis. Ça c'est le push to talk, d'accord, ok. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Désolé, désolé, vraiment désolé. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. D'une chose, apprends-en 10 000 autres. Hop, on n'a pas de support. J'ai détruit plus de tes semblables que je ne peux en compter. Ici, j'ai plutôt choisir un ange. Je veillerai sur vous. Salutations. Bon, du coup, je vais être très très loin. Mais ils sont mis loin. Ah non, c'est bon. 3, on n'a pas de Torbjorn. Impressionnant. 1. Les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. Mais laissez-moi le temps d'arriver sur vous, parce que sinon, je vais pas y arriver. Ah, puis ils me laissent pas. Hop, voilà. Je vais vous rappeler. Mais je te heal. Profite. Hop. Plus de soins en plus. Oula. Hop. Hop. On soigne tout le monde. C'était quel bouton déjà, celui-là? Déjà quelqu'un sur le point, oui effectivement. Ils ont une tresseur avec un... Oh, t'es mauvais avec ton... Ah bah bien sûr, tu recules comme un abruti, tu nous tues tous, bien joué. GG. GG, t'es collé, tu recules. Non, non, bah t'as pas compris encore, toi. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui crée de la rage. Que ce soit à travers certains héros qui sont complètement OP. Bon, ils vont l'avoir pris. Hop. Si on peut garder le point, remarque, ça peut être plus mal. Voilà, mais tant que maintenant ils vont pop plus près, ils vont spawn beaucoup plus près de nous. Non. Hop. Je te reviens. Aïe. Aïe. Ah, mais non, elle est longue ça, son ultime à lui. Oh la vache. Ah oui, il m'a eu sur les dernières secondes quoi. Retour à la case départ. Pourquoi pas. Alors j'ai un léger rush, un léger dash, on va dire, je sais pas si on peut appeler vraiment ça un dash, qui est en fait de la distance que je veux, mais il faut que j'ai un allié devant moi. Et dis donc, c'est pas ça, j'ai dit chacal, mais je crois que c'est pas chacal, mince, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je le joue souvent en plus, c'est... bon, je sais plus. Mais il est vraiment très mauvais. Hein. J'ai l'impression que je vais faire plus de dégâts avec mon... Ah ça y est, on a sorti les doubles bastions. C'est le début de la fin. Oh. La gueule. Bon, personne ne voit rien, j'ai pas envie de jouer support. J'ai pas envie de jouer support. Moi, je vous ai fait plaisir. Maintenant, vous savez pas jouer. Bye bye. Le convoi a atteint le point de contrôle. Les héros ne meurent jamais. Oh là là. Ils ne passeront pas.
Ah, ils sont trop nombreux, mais où ils sont où mes copains? La vente à l'intérieur, bon bah écoutez, plutôt que de prendre mes et d'aller au cac, je vais m'amuser avec un comment que ça s'appelle, un sniper. Vous allez voir que je suis très mauvais en snipe, c'est rigolo. Hop, donc elle a, elle, aussi une sorte de grappin. Oh bah d'accord, bah j'ai été... Alors j'ai jamais joué sur cette map. J'ai rarement joué Fatal, mais je l'ai rarement joué sur cette map. Et là franchement c'est mort. Faut pas chercher plus loin, c'est vraiment mort. C'est vraiment mort. On n'aura pas su faire quoi que ce soit en attaque. Ah non. Rien du tout. Petite vengeance pour tout à l'heure. Ah il m'a eu le sac. Bon, GG. GG le père salé. GG. Bon. Ah oui, c'est le moment où j'ai trouvé qu'il était un peu long. Ouais, je crois qu'il nous a fait un petit écart là. Hop, allez, le point là. Vous voyez par exemple, là ça rage. Là ça rage. Ok, on va rien avoir chopé normalement, voilà. Ah si, quand même une. Ouais, c'est pas très glorieux non plus. Hein. Honnêtement, j'aurais dû prendre justement, pas Chacal, justement Chacal c'est le défensif. L'autre, je ne me rappelle plus de son nom, c'est dommage. On va le voir très vite. Hein. On va le voir très vite. Alors, il est là. C'était Chopper, oui c'est ça, bien sûr. Chopper, arrête de choper. Là on a un attaque du coup sur Hollywood. Sur Hollywood en attaque, qu'est-ce que je pourrais prendre? On a déjà deux Genji, on n'a pas un seul heal. Bon bah je vais prendre Reinhardt. Hein. On va essayer d'avoir le point. L'objectif c'est d'avoir le point. Hein. Par contre avec un niveau 10 en heal c'est peut-être pas suffisant. Sauf si c'est ce qu'il fait, mais bon, on va bien voir. Souvent les niveaux 10 ils ont pas encore choisi tous les personnages. Justice sera rendue. Je me dirais moi non plus hein, mais... Parce que moi je suis un gars particulier hein. Sans plus que ça. Et donc ce sera la dernière partie de cette vidéo. Hop. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai deux simples coups, j'ai pas d'attaque à porter à part ceci, qui a un temps de recharge de 6 secondes. J'ai un dash qui me permet d'empaler mes ennemis et de les planquer contre un mur, ce qui peut être pratique. Et j'ai forcément mon bouclier à 2000 PV, c'est-à-dire qu'il a 4 fois plus de PV que moi, cependant, il est bien plus large, ce qui fait beaucoup plus facilement atteignable. Il permet aussi de planquer mes copains derrière. Apparemment le healer veut pas nous suivre, il veut faire son petit truc à lui. C'était quel bouton déjà? C'était ça, bonjour. Oh putain, mais abruti de healer. Ah non, il a rien compris encore. Allez, on avance, il faut avancer sur cette map. Ah, j'étais mauvais. Quand cesseras-tu de fuir? Bon bah écoute, moi je suis tout seul. Hein. Le père salé. Hop, bonjour. Je suis sur l'objectif. Eh ben non. Hop, on monte sur la voiture. Et rien ne m'arrêtera. Tout compris. Ok. Ok. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en restant... Hop là, le père salé. Je l'ai pas eu? Si, je l'ai eu.
en ayant capturé le point et en étant à côté, on a un passif de santé, de régène de santé. Par contre, on a déjà un. Voilà, ça c'est une bonne équipe. Alors là par contre je me bouffe des dégâts supplémentaires à cause de l'orbe que vous pouvez voir, que vous avez pu voir pendant un certain temps dans mon dos. Oh, ça l'a pas tué. Ça l'a pas tué, je sors mon ulti, ça le tue pas. Bon à savoir. T'es mauvais toi. Voir te vexer, t'es vraiment mauvais. Hein. Ok, ça va normalement prendre l'aggro, voilà. Est-ce que mes potes ont réussi à... Oh mais non, mais quand il est retourné, le bastion, faut tirer sur le petit cube bleu. Allez, oh, il a pas pris un seul pet de dégâts, les mecs. L'objectif du rush comme ça sur un bastion, c'est pas de le prendre forcément, c'est surtout de le retourner. Oh la vache! Et mec, je vais pas être invincible très longtemps. Oula! Allons-y, ils sont pas à l'intérieur. Ils sont à l'extérieur, on peut y aller. Hein. Honnêtement. Ah non, après je n'irai pas. Ah! Il m'a counter ma charge! Dommage! Dommage. Par contre, ouais, le bastion, voilà. Vous comprenez l'utilité du bastion, quoi. C'est... Vous savez pas jouer, vous voulez absolument défendre le point, vous prenez le bastion. Pour vous dire, je l'ai déjà pris à 10 mètres de la fin de la game, c'est-à-dire à 10 mètres du command de l'escorter quand j'étais en défense, et ça, j'ai pu le reculer au point de départ. Je l'ai fait reculer au point de départ. Encore. Aïe. Aïe, ils sont nombreux là par contre. Ah, oh, il y a encore le bastion là-haut. Ah mince. Ah, l'ulti d'Anzo qui est contre nous. Qui a fait des ravages. Je sais plus par où ça me mène ça. Ça me mène pas au bon endroit, je crois. Non, et là il y a un bastion qui vient de sortir son ultime. Putain, je suis mauvais. Je suis mauvais avec la charge aujourd'hui, c'est violent. Bla. Ça fait froid, apparemment. Non. Voilà. Boum. Voilà. Faut qu'on ait cette bagnole. Je suis tout seul. Ah non. Il y a un bastion dans le coin. On va être bon. On est bon. Bon, ça fait une victoire pour terminer la partie. Ok. Bon, on n'aura pas le highlight, hein, clairement. Hein. Parce que quand il y a un bastion dans l'équipe adverse ou dans une autre équipe, il y a forcément un bastion en highlight. Ah non, tiens. Dubster. Ah bah, c'est pas celui qu'on avait la dernière fois. Mais je l'ai pas trouvé. Ah si, quoique, il était pas si mauvais celui-là. Il était pas si mauvais que ça. Ah bah, de toute façon, ça sera un peu. Ah, il a son ulti qui va charger, non? Ah non, même pas. Ah si, voilà, son ulti charge. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Bon. On va quand même dire merci au heal. Ah bah. En tout cas, les gens de mon équipe sont sympas. Bon. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, n'importe quel lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop. Et répondez au Stropole, enfin au petit sondage, et à tout ce qui va avec. Voilà, salut.